Radio Extra s'agrandit. Ce soir, on célèbre l'ouverture de la 14e clinique à Montréal, sur la rue Saint-Jacques, à Saint-Henri. Parlez-nous d'abord de l'entreprise. Physio Extra, c'est un réseau de cliniques de physiothérapie dont on célèbre ce soir l'ouverture officielle, la 14e clinique ici à Saint-Henri. Mais le réseau s'étend dans la grande région de Montréal. On célèbre cette année nos 20 ans d'existence. Et depuis le temps, nous avons développé d'autres services. Pourquoi avoir choisi de vous installer ici à Saint-Henri? C'était un peu une occasion qu'on avait de pouvoir venir s'installer ici. Nous travaillons dans un autre gym avec un collègue qui s'appelle Georges Valade. Et Georges avait le contact pour l'édifice ici. Le projet se prêtait bien à un concept mixte de gym et clinique de physio. Et nous, on l'a suivi finalement par la suite. Et qu'est-ce qui distingue le groupe Physio Extra d'une clinique de physiothérapie régulière? Notre approche personnalisée, surtout la prise en charge, l'encadrement qu'on fait de nos patients. On pousse beaucoup la formation continue chez nos thérapeutes, nos professionnels. On les encourage à se dépasser au quotidien pour nos clients. Et ce soir, c'est l'ouverture de la 14e clinique. Ça n'est probablement pas la dernière. Il y a déjà des projets en branle pour la fin de l'année 2017 et le début de 2018. Parlez-moi un petit peu de l'association. Physio Extra est mon partenaire avec moi, 50-50, de ce qu'on appelle Gym Saint-Henri et Clinique Physio Extra Saint-Henri. Donc, c'est une organisation qui offre à la fois une clinique de physiothérapie et un gym. Il y a beaucoup de synergie entre les deux. La réadaptation à long terme pour des gens qui ont des problèmes plus importants pour les physiothérapeutes, est en mesure de procéder à l'ensemble des traitements, ils doivent avoir un gym complet. Donc, on va combiner un entraînement en salle avec un traitement, par exemple, en physiothérapie. Exactement. Et aussi pour les clients qu'on dit de première ligne, des blessures plus mineures, le fait d'avoir un gym sur les lieux avec l'ensemble de l'équipement permet aux physiothérapeutes de travailler de façon plus variée. Ici, on a des kinésiologues, des gens qui ont une formation universitaire, qui travaillent sous la supervision de physiothérapeutes. Donc, ça assure pour le client une compétence, une garantie de qualité et de savoir-faire. Nicolas, dis-moi, qu'est-ce que tu veux chez Physio Extra? Mon travail consiste à choisir les endroits où on va ouvrir des nouvelles cliniques et puis de mener à bien tout le chemin jusqu'à l'ouverture officielle. Pourquoi Saint-Henri? Dans le fond, Saint-Henri, c'était un quartier qui était... on trouvait légèrement délaissé au niveau des services de physiothérapie et d'ergothérapie. Je pense qu'il était important d'offrir à la population ces services-là. Et comment vous entrevoyez le futur de cette clinique-là dans le quartier? Alors, c'est une clinique quand même particulière dans le sens où on offre des services privés et des services qu'on appelle aux assureurs, de la réadaptation plus complexe. Je pense qu'avec ce double usage, la clinique va très bien se porter. Et là, vous êtes jumelé avec le Gym Saint-Henri. Ça ne fait pas dire qu'il faut être membre du gym pour venir en clinique de physiothérapie. Exactement. Vous pouvez venir seulement au gym pour vous entraîner si vous avez envie. Et puis, vous pouvez venir faire des traitements d'ergothérapie, de physiothérapie, de massothérapie, acupuncture, kinésiologie, psychologie. On a un bon volet en santé mentale, ergothérapie, santé mentale et psychothérapie. La liste est longue.